you know, I'll say, oh, the first and the second one were better. And it's like, well, maybe they were, maybe they weren't. I'm not quite sure. I do know that if this film wasn't following the other two, it would have probably gotten more acclaim than it did. Because I thought as a movie, as a standalone, it was great. Hey, vous vous souvenez d'Alien 3? La quadrilogie Alien, ça a toujours été une réussite pour moi. Quoi qu'on en dise, j'aime les quatre volets car ils offrent au cinéma, chacun à leur façon, un nouveau visage du space opéra horrifique. Le troisième chapitre, sorti en 1992, fut l'une des suites les plus chaotiques de la saga. Déjà dans sa production, qui a connu moult soucis techniques et économiques et des réécritures constantes du scénario, mais aussi dans certains rendus, mention spéciale aux xénomorphes, dont le nouveau design, certes très travaillé et original, semble avoir été incrusté dans le film par un monteur sous kétamine avec des gants de boxe. Donc pas très bien incrusté. Le film a surtout été massacré dans sa post-production et son montage, la version cinéma étant un rendu défiguré du produit original, mis en pièces et recollé à la colle UU. Enfin, même si je l'aimais bien quand même. Mais côté colle, je vous conseille plus la Gutterman. Elle adhère mieux. Bref, une abomination désavouée par son réalisateur, David Fincher, premier film de sa filmographie, et la seule œuvre qu'il renie, comme on rejette un premier court-métrage d'adolescent. Alors que moi, mon premier court-métrage, j'en suis toujours très fier. Vous avez rien vu. À sa sortie, même si le film boucle son budget, il reçoit un accueil très médiocre de la critique, qui aborde plus souvent les déboires subis par sa production que le produit final. Renié par certains créateurs, ignoré par d'autres, beaucoup s'accordent sur le fait qu'il est le début d'une descente aux enfers de la saga, le quatrième volet étant également détesté, ainsi que les films connectés à cet univers, sortis ces dernières années. Une erreur de la nature qui fut la première pelletée de terre d'une franchise qui s'enterre encore aujourd'hui. Et curieusement, là où certains y voient la mort de la franchise, j'y vois une renaissance. Et puis je ne suis pas là pour m'étaler sur la production du film. Après tout, le fausseur de film et Mr. Bobine ont déjà livré des vidéos très complètes sur cet aspect. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le résultat final et ce qu'il offre à son spectateur. Alors même si j'ai quand même apprécié la version cinéma, je préfère mettre en avant l'Assembly Cut, qui est une version sortie en 2003, bien plus proche des concepts originaux apportés par les nombreux scénaristes qui ont participé au projet, et par David Fincher. Parce que la version cinéma, même si je l'avais bien aimée, c'est un petit peu comme un chiot amputé. Ça reste mignon, mais quand l'hiver arrive, ça remplit pas ton assiette. Oui, je suis un monstre. Outre Sigourney Weaver qui est... Bah, c'est Sigourney Weaver, quoi. Elle pète la classe. Le film nous offre une belle palette d'acteurs pour incarner les habitants de cette planète infernale. Une collection de gueules cassées au charme atypique, qui chacun apporte leur petit grain de sel à cet univers noir et poisseux à souhait. Entre autres, Holt McCallany en skinhead patibulaire, Brian Glover en chef râleur, et Ralph Brown qui fait son Smithers, right, sir. Absolutely, sir. Charles S. Dutton en mentor spirituel, Paul McGann en sympathique dégénéré mental, et non des moindres, le légendaire Charles Dance, qui vole la vedette pendant la moitié du film, même s'il finit tragiquement tué par l'alien, qui semble avoir confondu le pauvre homme avec un œuf à la coque. Le premier alien nous plonge dans une horreur silencieuse et secrète, et le second nous offre un film brutal et frénétique. Alien 3 apporte, à son tour, une touche de renouveau. Premier point marquant, cette suite se suffit à elle-même. Contrairement au second et quatrième opus, le film peut se découvrir comme un stand-alone, sans qu'on connaisse l'histoire d'origine, ni les personnages ou même le xénomorphe. Une nouvelle clique de personnages s'impose, bloquée sur une planète abandonnée et complètement déconnectée du monde extérieur. Du coup, l'arrivée de Ripley et de la créature sont de véritables énigmes qu'ils vont devoir élucider de la même manière que les passagers du Nostromo dans le premier volet. Une menace inconnue, un passager suspect, et la découverte des dessins funestes de la compagnie pour laquelle ils travaillent, conjugués à leur survie sans armes ni connaissance de la menace à affronter. C'est d'ailleurs cette indépendance et cette émancipation des films précédents qui a dérangé le public à sa sortie, car tous les personnages du précédent film sont exterminés avant la fin du générique d'ouverture. Au revoir Newt. Au revoir Bishop. Au revoir Kyle Reese. X. C'est X. Alien 3 nous plonge dans un univers encore plus glauque et dystopique que les précédents volets, sur Fury 161, planète prison pour les détenus affligés d'un chromosome double Y, qui les rend plus violents et sociopathes. Une planète qui faisait office de fonderie et de prison pour plus de 5000 détenus, mais qui s'est faite oublier du reste de l'univers, et qui ne compte au final que 25 prisonniers, reconvertis en un groupe de fondamentalistes chrétiens, dont les apparences me rappellent curieusement les moines du nom de la Rose. Une version déformée des hommes de Dieu, directement confrontés aux passions humaines, qui attendent l'arrivée d'une forme de délivrance, d'un acte divin. Et au lieu de ça, c'est la visite de deux autres entités qui vont bouleverser leur quotidien. L'une apportera la tentation, l'autre, la mort.
C'est dans ces lectures qu'Alien 3 gagne en force. Là où le projet a été scénaristiquement manié et remanié pour finir comme une combinaison étrange de plusieurs concepts et univers, le résultat offre en conséquence de nombreux niveaux de lecture. Et là où certains y voient un gratin de reste, j'y vois un généreux couscous. Oui, je sais, il faut que j'arrête les analogies avec la nourriture. Mais bon, quand tu commences, tu peux plus t'arrêter, c'est comme les cacahuètes. On n'est pas juste avec un film de planète opéra dystopique avec un gros monstre. Il combine à la fois les représentations politiques, sociales et philosophiques du monde, avec les instincts profonds et primaires de l'humain. Le sexe, la violence, et la relation particulière que l'homme a avec le monstre. Mais là où le film se démarque encore plus de ses autres volets, c'est dans son approche du sacré. Oui, je sais, on va encore me traiter de fanatique parce que je ramène tous les films que j'analyse à la religion. Mais... le rapport à la religion est bien plus qu'un détail scénaristique dans ce volet. L'exemple le plus concret est le choix de la musique, composée par Elliot Goldenthal. Là où les films de science-fiction varient entre les synthés, le style électro ou le choix d'instruments graves pour nous inviter à rentrer dans un univers d'anticipation, la bande originale d'Alien 3 joue à contre-pied celle d'un opéra prophétique. L'exemple le plus flagrant, c'est la scène dans laquelle Golic, l'un des détenus les plus dérangés de la clique, fait face à l'alien pour la première fois, témoin du massacre d'un de ses compères. Là où l'on s'attend à une sonorité horrifique, des coups d'archet stridents ou une tonalité grave et inquiétante, le film nous surprend avec cette musique. Là, on n'est pas juste dans l'horreur, on est aussi dans le sublime, le fabuleux, avec la fresque du fanatique exalté, littéralement baptisé par le monstre. Ironique, quand on sait que c'est une forme de baptême plus traditionnelle, qui exorcise l'alien à la fin du film. Golic va en conséquence se retrouver à la fois corrompu et sublimé, et voir en la créature un nouveau sauveur. Après tout, le xénomorphe est lui aussi né dans une étable, après l'apparition d'une étoile mystérieuse. Mais outre sa représentation d'Antéchrist, l'alien va porter tous les stigmates de l'apocalypse, y compris dans sa connexion avec Ripley. Quand on y pense, il forme à travers cette saga une sorte de couple maudit qui ne cherche qu'à s'autodétruire, mais qui, inévitablement, se connecte de plus en plus intimement à chaque volet. Dans le premier, elle est la vierge fuyant une vision intimidante de la sexualité, et je ne dis pas ça juste parce que la tête de l'alien ressemble à une énorme bille. Dans le second, le face-à-face entre elle et la reine alien sera celui de deux mères guerrières protégeant leurs descendances respectives, et dans Alien 3, Ripley et l'alien seront connectés non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Car Ripley, violée pendant son sommeil au début du film, est sur le point de donner naissance à une nouvelle reine alien, qui poursuivra sa descendance monstrueuse et anéantira le monde. Et même dans le dernier volet de cette saga, parlant de résurrection et de descendance, la fusion entre l'héroïne et le monstre sera complète, connectant leur ADN, leur morphologie et leur instinct. Un film qui donne naissance à deux hybrides, avec d'un côté la perfection, et de l'autre, l'abomination ultime. Pour en revenir au troisième opus, le film tout entier s'avère être une relecture distordue du dernier chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ripley et l'alien partagent plusieurs représentations pour habiller ses symboliques. Elle est d'abord la vierge qui va enfanter, il est le dragon qui la surveille. Elle est ensuite la tentation auprès des hommes, telle Babylone, la grande prostituée, mère des abominations de la terre, qui corrompt tous ceux qui l'approchent, et l'alien est la bête qui l'accompagne. Mais à la fin du film, elle sera finalement celle qui tue la bête, la figure de l'épouse du Christ et de la Nouvelle Jérusalem, dont le sacrifice sauvera l'humanité, tout comme dans le dernier chapitre du livre. De l'arrivée de ces signes, Fury 161 est un monde de purgatoire qui fera une descente aux enfers, pour être finalement, comme dans le livre, la fin d'un monde de chaos baigné dans une lumière prophétique. Et ça a beau être un enfer ici, on y trouve quand même plein de choses intéressantes. Enfin bon, ça c'était dans la réserve de PQ. Ce film est plus qu'un échec commercial ou un petit film d'horreur médiocre. Malgré ses maladresses techniques, il nous emporte intellectuellement au travers de plusieurs niveaux de lecture, et nous touche de façon plus viscérale de par son univers glauque et fascinant. Après tout, c'est un des principes nobles du 7ème art, nous toucher par l'émotionnel, pour nous offrir, en parallèle, des analogies et des symboliques plus profondes. Et bien qu'Alien 3 ait échoué à divertir une grande partie de son public, il a encore aujourd'hui son petit groupe d'admirateurs inconditionnels. Et je suis heureux d'en faire partie. Et vous, vous en pensez quoi de ce film? Daube? Chef-d'œuvre? Petit délire sympathique? Dites-le moi dans les commentaires. Alien en numérologie, c'est A1, L12, I9, E5, N14, égale 41, égale 4 plus 1, égale 5. Or, le troisième volet Alien, ça veut dire 5 fois 3, égale 15, donc 1 plus 5, égale 6. Et 6 au cube du Alien 3, c'est 666. Voilà. Quand la preuve est aussi évidente, on ne peut pas me traiter de fanatique.